Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de petits fanarts qu'une abonnée nous a envoyé par mail, qui ne veut pas qu'on dévoile son nom. On peut juste vous dire qu'elle est comtoise. Elle nous a donc envoyé, alors ce qu'on a comme indice, c'est les princesses en robe victorienne. Donc on a fait plein. Oui, on avait fait déjà dans ce style-là. Mais je crois qu'on n'a pas fait celle-ci pour en avoir vu une seule pour ne pas être spoilé. Nous c'est commençons parti. Tout de suite. Ouh. Nous avons Belle. Qui est très belle. D'ailleurs, je n'ai pas dit le nom de la créatrice. J'ai dit qui nous l'a. Voilà, c'est tout simplement, c'est écrit tout droit réservé à notre amie Tiffany Marsou. Donc allez voir ce qu'elle fait, bien sûr. Alors, y a beaucoup de travail. C'est incroyable le détail sur les lumières, sur les ombres. Et on reconnaît le personnage. Alors pourtant, ça se voit que c'est pas tiré d'une image du film. Non, c'est bien fait. Hein. Oh. En gardant les couleurs des personnages, maintenant nous avons Blanche-Neige, magnifique aussi. Ouais, elle est bien. Avec le jaune et le bleu, un très beau chapeau. Oh, Jasmine. C'est très rare qu'on voit Jasmine avec une robe. Ouais. Et le détail de l'éventail, de la coiffure. J'aime beaucoup l'éventail, très très beau. Franchement, ce boulot, c'est vraiment les trucs où tu mets style. Un jour. Il y a le. Oui, l'armature. Jour, on te fera un costume avec ça. Je vais pas passer les portes. Ensuite. Ah, pas mal. Oh, c'est bizarre ces cheveux. Ouais, il y a. Il y a un dégradé de couleurs, c'est. D'ombre et de lumière. Ouais. Toujours pour rappeler ses couleurs. Ah, t'as vu, et puis elle a des coquillages. Ah, ouais, tu vois les détails. Ouais. Mais partout, à le décolleté, les petites manches. Réponse. Aurore. Non, Aurore. J'ai Aurore vu son visage, hein. Plus Aurore. Oui, Aurore, oui. Moi, rose, tout de suite, réponse. Ouais. Oui, voilà. Puisque. Couleur très Aurore, pareille. Elle est rose ou bleue? Oui, c'est vrai. Mais oui, il y a des roses, il y a des. Ouais. Plus Aurore. Avec sa petite ombrelle. Ouais. C'est imposant. Comment tu fais pour passer les portes, c'est vrai? Non, mais. Tu passes pas. Tu les mets, tu restes dans la pièce. C'est ça. Ah non, j'adore. Cendrillon. C'est Cendrillon, on est d'accord. C'est dans la simplicité. Oui, bien sûr, c'est dans la simplicité de Cendrillon. Hein. Sa coiffure est la même, en un peu plus... Relevé. En un peu plus... Ouais, comment gonflé. On appelle ça ? Gonflé, bumpé. J'aime autant sa robe originale, là, pour le coup. Excellent ! Oh, j'adore ! Elle est bien ! Oh, les références au kilt ! Ouais. Elle est cool ! Ah, franchement, Mérida. Celle-là... Elle est bien ! Ah ouais. Ah j'aime bien. C'est ma préférée. Ouais, moi aussi. Génial. Et puis la tête qu'elle a. Ah tiens, Jasmine. Notre Jasmine. Notre. On passe aux robes un peu moins. Un peu plus légère. Celle-là c'est pour la soirée. Elle est bien celle-là. Ouais. Avec les petites roses. On a à peu près le même éventail, donc c'est la même. Elle a été changée. Ou peut-être que c'est vu de côté. Qui sait. Oh non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Mais très joli encore une fois. Avec les rubans, t'as vu ce nombre de détails entre les ombres, les lumières, les différentes couleurs, les différents dégradés, enfin c'est... Non, c'est bien fait, hein. C'est de bonnes idées de faire ça, hein. Faut du courage. Bah, c'est du temps. Parce que si t'en fais un, ça va, mais si tu te dis, allez, je vais faire 10 princesses à la suite... Tu te rappelles de la petite abonnée qui avait fait les princesses avec un objet, et à la fin, il y avait toi, avec Simba? Oui, je m'en rappelle. La surprise que t'avais eue, je le savais, moi, mais... Elle dit, comment je pourrais faire? Je lui dis, tu lui fais Simba, elle sera contente. Elle est bien. La meilleure, forcément. Elle a une très belle robe. Là, on dirait juste des rideaux. Ouais, voilà, c'est ça. Deux petits pompons, ça fait rideau. Mais non, elle est belle. Hein. Avec le petit voilage, tu vois, comme c'est travaillé. C'est des gens qui devraient faire des vrais trucs de mode. Ah, sympa. La coiffure est plus intéressante que tout à l'heure. Ouais, je préfère celle-ci. J'adore la pose. Je mange ma chips. Si t'avais ami. Tranquille. Aurore en bleu. Bah voilà. Voilà, tu l'as vu ton aurore en bleu. Très sympa, même si il y a une espèce de rabattement de la robe là, tu sais, comme si elle avait un. Ben non, comme si elle avait une ceinture autour de la robe. C'est bizarre.
Ouais, c'est juste que je comprends pas dans le dessin où c'est placé. Ou alors... excellent. Oh, excellent. Ah, elle est bien. Très bonne idée de l'avoir fait. Pareil, les détails, les petits rubans, mais j'adore. Ah, c'est bien. Hein. C'est bien de mettre des personnages comme ça. Ouais. Ça reste une princesse non officielle, mais... Ah, Elsa, bah voilà, fait longtemps Elsa, qu'on l'avait pas vue. Mais je sais pas, encore une fois, il y a un rabattement, t'as vu ? Comme un anneau, comme des rideaux. Pour reprendre la robe. Peut-être qu'elle voulait donner du volume, oui, en fait, la créatrice. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Est-ce qu'on va voir Anna ? Non. Ah, sympathique. Par contre, elle donne vraiment l'impression de... Ouh ! Kardashian. Kardashian. Mais c'est une bonne idée de les mettre, enfin, de les montrer de profil aussi. Mm. Parce qu'elles arrivent de face. Mais est-ce que c'est, ouais, est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'elles sont de profil, mais qu'au final, de face, c'est les grosses robes ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, peut-être par rapport au bombage. Mm. Parce que si elle a vraiment une robe très fine et qu'elle a ça derrière... Quoique ça existe les bombages que de l'arrière. Mais oui. Donc ouais. Bah justement dans Cendrillon. Tu sais quand elles mettent les robes de bal, les deux sœurs. Bah oui ! Ça fait bon, bon, bon. Tout à fait, tout à fait. Ah bah tiens. Oui voilà, c'est bizarre, on dirait qu'on... Il y a un rabattement de la robe. Ça lui fait de ses fesses. Ouais du coup. Très joli, ouais. On connaît le personnage tout de suite, les traits sont rades. Comme quoi les gens disent le 3D, mais ça pourrait être des personnages dessinés, hein. Ça passe, hein, ça peut vraiment le faire. Ah, Esmeralda, classe. Très intéressant, on la voit pas souvent Esmeralda en fan art. Hein. Elle est bien. Ah ouais, les piles c'est deux couleurs, et ça lui va bien. On pourrait croire. Parfois certains personnages tu pourrais les sentir oppressés, mais elle non, ça lui va vraiment bien. Ouais, elle est bien. Quand le rabattement va en bas du dos, ça va. C'est quand il vient sur le côté que ça c'est fait ça, bizarre. C'est bizarre, ouais. Ah bah, réponse. Bah voilà. Tu les as toutes. Bah en tout cas, bravo à Tiffany, parce que tous ces... T'imagines le nombre d'heures non, par dessin. C'est clair, mais ouais. C'est monstrueux. Le temps qu'elle doit y passer... Elle a un DeviantArt d'ailleurs, j'aurais sûrement mis dans la description. Hein. Très très joli, les détails sont magnifiques. Enfin, et avec la fameuse rose. Et je vois dans... Ah! Très c'est orange. Belle encore. Ouais. Très orangé. Ouais, elle est plus orange. Mais j'aime bien, ça fait contraste. Ça fait un peu plus. Ouais. Dark. Elle est bien. Oh, Pocahontas. Bah, le visage, par contre. Bah, du coup, je la vois dans le deuxième, moi. Ça va Pocahontas 2, là. Ouais, bah oui, forcément, parce qu'elle est. Je sais que je me répète, mais les détails dans la robe, les petits rubans les bijoux, qui là. Descendent par-dessous, les enchevêtrements, les... Ah non, ouais, c'est dingue, hein. Parce que le faire, en vrai, déjà, c'est compliqué, mais alors le faire en dessin, il faut l'imaginer. Donc, bah oui. Très joli et bonne idée de ne pas les faire de face, je me répète, mais... Et non, voilà. Là, ouais. Et ben, bien sympa, hein. Franchement, le travail qu'elle doit... le temps qu'elle doit y passer... Ouais. Un petit coup de cœur sur Charlotte, Esmeralda, pour le fait qu'on les voit souvent. Charlotte et Esmeralda, ouais. Mmh, Et vous, laquelle avez-vous préférée ? Ah bon ? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé ce magnifique fan art de Tiffany Marsou. Oui. On se retrouve et on se retrouve très bientôt. Salut. Salut.